personne. On dirait que tu as froid. J'ai froid. Viens ici. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, c'est un vieux livre. J'ai toujours un livre avec moi, mais je le lis jamais. J'adore les livres. Moi aussi, à ton âge, j'adorais les mots. À présent, ils me sont comme un fardeau. Pourquoi? Il y en a trop et trop peu. Je vais pas partir, Marion, vous m'entendez? Je sais très bien ce que vous essayez de faire et moi, je suis pas d'accord. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Marion. Je viens ici tous les soirs. Moi de même. Mais je ne vous ai jamais vue. Ni moi, toi. On a dû se rater. Oui. Pourquoi viens-tu ici? Mon père m'a amené ici. Il y avait des enfants avec des cerfs-volants et on voyait les bateaux sur le lac. Il y a longtemps. Ça paraît pas si loin. Qu'est-ce que vous lisez? Quelque chose de vieux que j'ai lu 100 fois. Je ne le garde avec moi que pour avoir de la compagnie. Un livre ne peut vous tenir compagnie que s'il est lu? J'ai pas besoin de le lire, je le connais. Pourquoi avez-vous besoin de l'avoir avec vous? Parce que c'est comme ça. Vous l'avez écrit? Non. Qui alors? Quelqu'un que tu ne connaîtrais pas. Je pourrais. Tu es toujours aussi discutailleuse? Oui. Je plains ta pauvre mère. Elle aussi est discutailleuse. Ah oui? Vous êtes mère? Non. Vous n'êtes pas obligée. Ça, je sais. Je me demandais juste. Pourquoi? Parce que je me suis demandé si j'en serais une. Qu'ai-je à voir là-dedans?
Je ne sais pas. Tu es tout aussi obscure que discutailleuse. Vous ne savez rien de moi. Il ne faut pas longtemps pour connaître quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Je suis vieille, ne me contredis pas. Vieille comment ? Non, ça ne te regarde pas. Vous avez 100 ans ? Pas tout à fait. Vous en paraissez 100. Ah oui ? Vous vous sentez insultée ? Non. 100 ans, c'est très vieux. Oui, ça l'est. Vous mourrez bientôt, seul ici. C'est quoi le livre que vous lisez ? Quelque chose que tu n'as pas encore lu. Ça me plaira ? Oui, beaucoup. Est-ce que ça finit bien ? Aussi bien que possible. Il t'arrivera quelque chose que tu ne comprendras jamais. Qu'est-ce qui arrivera?
Pourquoi non? Ça ne te regarde pas. Vous pouvez me raconter juste l'histoire. On n'est pas obligé de le lire, le livre. Vous me racontez juste l'histoire. Mais je n'ai pas envie de te faire plaisir. Voilà. Mais moi, je croyais que vous étiez contente que je vienne. Non. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai pas besoin de toi. Je veux que tu t'en ailles. Pourquoi vous avez découpé vos robes? Pourquoi vous êtes toute seule ici? C'est qui l'homme sur la photo? Vous voulez que je m'en aille? Oui. Je vais pas partir, Marion, vous m'entendez? Je sais très bien ce que vous essayez de faire, moi je suis pas d'accord. Je vais rester ici longtemps, je vais attendre jusqu'à ce que vous reveniez vous asseoir pour me raconter l'histoire du livre. Je vais pas partir, Marion. Maintenant, vous allez venir vous asseoir, vous allez me raconter l'histoire du livre. Mais moi, je n'ai pas envie. Mais moi, j'ai envie. Alors, vous pourriez faire un effort. Marion? On va s'asseoir? C'est quoi l'histoire du livre? Ah, c'est une très belle et très longue histoire. Vous me la racontez? Je ne sais pas si je saurai. Pourquoi vous êtes toute seule ici? C'est qui l'homme sur la photo? Pourquoi vous me racontez rien? J'aurais cru que je me souviendrais de ça. Quoi? J'aurais cru que je me souviendrais d'avoir rencontré une vieille femme. Il vaudrait peut-être mieux que tu t'en ailles. J'aurais cru que je me souviendrais d'avoir rencontré une vieille femme qui se cramponnait à un livre qu'elle emmenait avec elle juste pour ne pas être seule. Mais vous ne vous souvenez pas? Non. Je me souviens d'autre chose. Quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé? Un soir, tu viendras. Ce sera un soir comme celui-ci. Le givre sera déjà sur l'herbe. L'air aura refroidi. Tu seras une jeune femme et tu seras assise, te cramponnant à un livre que tu auras juste lu. Un livre qui t'aura empli de lumière et de désir. Un désir que tu ne comprends pas. Et tu regarderas par-delà le lac désert et là-haut dans le ciel désert, tu les verras. Qui? Les porteuses de lumière.
Elles sont trois. Elles sont venues d'un ciel sans nuages. Elles ont été très lentes à venir. Elles brillaient sans beaucoup d'éclat. Elles sont descendues à travers les branches nues des arbres et se sont reposées dans l'air tout près de moi. Trois silhouettes vêtues d'habits ordinaires, pareilles à ceux que portent les vivants. Trois femmes, le visage paisible, les yeux clos. Marion, c'est quoi le livre? Le livre est toujours un livre différent. La fin toujours aussi heureuse que possible. Et je me souviendrai pas de vous avoir rencontré. Il semble que non. Je suis désolée. Младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты стремли закрывши глазки, баюшки, баю. А камням струится терек, плещет мутный вод. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель.